Je sais pas, je fais la météo sur ma chaîne. J'essaye d'innover, j'essaye de faire quelque chose d'assez fun. Mais je me sens un peu incomprise parfois. Vous en pensez quoi, vous, qui avez fait un peu de télé ? J'ai pas fait de télévision. En revanche, j'ai fait de la météo. Mais tu t'en fous d'être comprise. Est-ce que t'as vu un jour une carte qui était claire ? Personne. Ça n'existe pas, la météo qu'on comprend. Toi, t'es jolie, tu fais comme chez nous. Tu viens, tu te mets un petit peu plus décolleté que tu n'es là quand même. Faut montrer un peu tes seins, faut sourire un tout petit peu, faut avoir l'air gay. Et puis tu leur dis, il va vous tomber des cordes sur la gueule. Donc ils vont être étonnés, faut avoir un peu de vocabulaire quand même. Mais en même temps, tu continues de sourire quand même. Parce qu'en fait, la météo, tout le monde s'en fout. C'est toi qui veux le regarder. C'est comme ça qu'on fait carrière dans la météo. Regarde Bourgoin. C'est quand même ça ton avenir. Tu vas quand même pas continuer à annoncer qu'il pleut, alors qu'un jour sur deux, tu te gourres, ou qu'il fait beau. Et alors là, c'est beaucoup plus grave de se tromper, parce que quand il pleut, alors que tu avais annoncé qu'il allait faire beau, là, ils vont te haïr. Alors que si tu dis n'importe quoi, mais qu'on comprenne rien à rien en montrant des cartes avec lesquelles on comprend rien du tout, les gens ils sont pas idiots le matin quand ils se lèvent, ils vont voir dehors. Et vous avez une formation météo classique pour dire tout ça ? Pas du tout, je suis une ancienne grenouille. Tu peux pas savoir quelle vie. Moi je dis que ça ferait mieux quand même avec une voix de mec. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont une caméra avec une cassette et ceux qui présentent. Toi. Tu présentes. La météo de Maria. Voilà une bonne réponse, Elena Maria. Elle vient à côté de moi, je l'embrasse très fort, tout le monde applaudit. Vous avez Facebook, hein ? Non, je regarde jamais